Oh, vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Vivez profond, ne bouge jamais. Venez, Jésus, pardonne. Oh, Jésus, remplis un cœur, il le bonne, le bonheur, il le froid, il la terre plus. Jésus, 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 vous qui tombez à chaque pas, venez. Jésus délivre, celui qui siège est en ses bras. Quand je toujours le suis, ouais. Quand Jésus rempli d'un cœur et le bonheur, le bonheur, car il ne chancelle. Le plus, Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui doutez du lendemain, venez, Jésus, rassurez. Pas à pas là, mais dans sa main, la route de Dieu, quand je sais remplir un cœur et le bonheur de bonheur, la crainte de la terre plus, Jésus, Jésus, chers frères et sœurs, amis et visiteurs et internautes, bonsoir. Jodi an, c'est un gros grâce, c'est un privilège. Bon Dieu accordé moi-même ensemble avec vous à soir pour nous capables là dans présence li. Malgré tout monde problème, monde là pas enduré. Bon Dieu, qu'il nous ferme. Ça nous dit, et frère, ma soeur, moi, yo? C'est peut-être ça, à soi, quel que soit le monde qui branché sur les réseaux sociaux, qui peut faire la paix à Christ, n'a pas dit ou, pas de temps encore, parce que Christ revient bientôt. Les arrivés, maintenant, nous, frère, ma soeur, moi, yo? Share le live. Parce que le message nous pourrons attendre à soi, très important. Je ne vais pas attendre personne rater l'occasion ça. Je vais demander à nous ouvrir le cœur, nous prêter pile attention, soutenir. Et nous disons bonne participation. Pour nous démarrer avec le programme, là, nous pourrons chanter un chant. Great is that faithfulness. Amen. On mettez nous debout. Change it.
Pastor Jeremiah. Let us bow our hands and close our eyes for a word of prayer. Our gracious Heavenly Father, we thank you so much for this day. Thank you so much for allowing us to be here in your presence. We thank you, O God, for keeping us safe and allowing us to be here to understand your word. Lord, as we come here, I ask that you please send your Holy Spirit upon us so that we can worship together and so that we can listen to your word together and understand what you have in store for us. Bless the pastor and bless all the staff and forgive us for our sins. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. Amen. So should I continue in English? And now it is a moment you were all expecting. We're calling on the pastor, Pastor Moss. He has some gifts for our visitors. N'a pas de pasteur Mars, si donc il était capable d'avancer, parce qu'il y a un cadeau pour visiter nous. Pendant pasteur Mars pour qu'on vienne, n'a pas dit donc que n'a pas un service demain soir. Jeudi soir, non pas un service, pas venu. Mais vendredi soir, n'a pas un service et après service là, n'a prêté pour nous la prière ensemble. Ça fait, lorsqu'on fait plan pour venir, fait plan pour rester avec nous. Après service temps 9h, 10h n'a la prière et nous pral la caillon à 11h du soir dans vendredi soir. Et kounya nous pral passer micro by pasteur Mars. C'est moi le gon bon petit bail n'amène là, on souhaite le d'abord mion là-dedans yo. Pasteur Mars. Chers frères et sœurs et distingués amis visiteurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Est-ce que nous contents pour nous là? Moins content ouais nous. Et nous connaissons bon Dieu aimer nous et lui permettre nous présents. Et depuis nous ouais nous monter là nous-mêmes, nous monter vin. Bye cadeau. C'est jeune se content bien parce qu'il t'a gagné hier soir. Et maintenant, est-ce que nous avons visiteurs pour la première fois? Pour la première fois, levez-moi nous. Une, deux, trois. Trois premières fois. Nous voulons chaque soir, chaque monde qui vient là pour un souvenir. Pour la première fois, et deux filles et un garçon. Nous avons besoin de monde pour faire ça pour nous. Ça pour garçon, ça pour mesdames. Garçon. Et nous content pour nous et bon Dieu content pour nous tout, pas vrai? Et plus grande joie nous, selon la promesse de Jésus, c'est que l'elle vini pour nous tout à vivre avec, pas vrai? Amen. Maintenant, ça qui est plus important encore dans le cadeau,
Hier soir, nous t'ai posé question, pas vrai? Amen, oui. Merci bien. D'après Jean 16, verset 16, Jésus fait déclaration pour yon moun rentrer dans le royaume ciel. Il faut entendre des paroles, il faut croire, faut baptiser pour qu'à sauver. Vrai ou faux? Il dit pour rentrer dans le ciel, il faut croire, faut baptiser pour qu'à sauver. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. C'était vrai. Il dit, si vous aimez, vous avez des choses pour faire. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. N'est pas vrai? C'était ça exactement. Ainsi, tous ces noms-là, les gens qui te répondent à la question, nous sommes secrets pour ces jeunes qui ne sont pas passés en l'air, vous comprenez? Ok, on va venir. Ok, li pral plonger men li lan, boîte ça. Si moun ki te répond question ou pas là, pa ou pas là. Non ki monte yon, n'a prend deux. Deux non monte yon, c'est deux gagnants à pied. Li konnen le fait manger pour le pas prendre maman. Ni pren yon. Je t'ai souhaité que c'est Nancy par là, Nancy Exalus. Wow, Nancy Exalus. C'est ça nous jouons là. Bon, nous est-ce que tu as pour lui. $25. Nancy Exalus. Ici, a passé pour nous. Ok. 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 Bon, deuxième monde. Il reste Martaïens Destine. Il parle là. Là, nous t'ai dit pour pas là, pas ou pas là. Vous voulez nous bâcher dans l'autre monde? Paul Alta. Bon, c'est pas faute nous. Si nous venons, nous baillons. C'est pas nous. Ok. Les fini. Les questions pour ce soir. Et dis-nous déjà, si nous répondons aux questions, faut nous venir. Moun ki pa vini, parle pas là. Thank you. Ok. Est-ce que nous avons des papiers à la main nous? Est-ce que nous mettons nous? Nous écrit adresse nous? Hier soir, pasteur a prêché et petit sujet qui était prêché, on te dit qu'on s'accue réalité ou tromperie, vrai ou faux. Réalité ou tromperie.
Deuxième question. Pour rentrer dans le ciel, il faut non inscrit dans le livre de vie. Pour non inscrit dans le livre de vie, il faut accepter Jésus comme sauveur personnel ou pour baptiser, vrai ou faux. Pour non inscrit dans le livre de vie, il faut accepter Jésus comme sauveur personnel ou recevoir le baptême par immersion. C'est pas vrai? Et on va rentrer dans le ciel avec Jésus lorsqu'on reste fidèle. Vrai ou faux? Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé, mais il faut rester fidèle. Ça, c'était la deuxième question, vrai ou faux. Nous, très facile, nous finis. Mais si vous mettez non, c'est tout nos sérieux qui prennent dans une petite boîte comme ça demain, les nous secouer. Nous prenons, ou pour recevoir une prime de la même manière. Mais assoyons comme nous te dit, est-ce que y a un monde qui mène trois mouns avec? Est-ce que y a un monde qui mène trois mouns? Est-ce que y a un monde qui mène cinq mouns? Moun sa yo, si vous menez trois mouns avant, vous avez une prime spéciale. Si vous menez cinq, vous avez une prime plus spéciale encore. Que le Seigneur bénisse nous. Nous espérons que l'Esprit de Dieu parle à cœur nous. Ouvre cœur nous à Jésus et la prend soin de nous. Que bon Dieu bénisse nous. Je m'en demande l'assemblée en plus pour qu'on mette le debout, s'il te plaît. Je vous demande de se mettre debout, s'il te plaît. On va mettre nous debout pour que nous puissions faire passer dans un moment de louange. On n'a pas de soeur Alta, avancez pour nous. Donc on est quel content. Faites vite pour nous, s'il vous plaît. Nous allons chanter deux chants. Qui dit tout soleil sur la terre, voilà, c'est sur l'écran. Et sous la caillou, chantez avec nous. Mettez debout, côté hier, et puis chantez avec nous à la gloire de Dieu. Yeah.
victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Au jour mauvais, aux heures solennelles, pendant le poivre, la tentation toujours, toujours, il reste ouais, fidèle à la noble. Ils vont chanter dans le cantique de nouveau, qui par la voix emporte à la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Ils sont heureux, l'épreuve est terminée. Du triste mal, ils ne souffriront plus. Et désormais, leur destinée, c'est de régner avec Jésus de Bethléem, dans la main et couronnée de gloire. Ils vont chanter le cantique, un nouveau héros qui parle pas en porte à la victoire, lavé dans le sang de l'agneau des palmes dans la main et couronné de gloire. Ils vont chanter le cantique, un nouveau héros qui parle la voix emporte à la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Chaque instant de chaque jour qui passe, en Jésus, je veux me confier. Pour la prière d'intercession, si vous avez une prière ou capable d'écrire, pour mettre dans la boîte là, de manière que nous sommes capables de prier ensemble. Vous pouvez déplacer, si vous voulez. Voici, c'est la boîte aux prières. Chaque instant de chaque jour qui passe, en Jésus, je veux me confier. Cet ami que jamais rien ne lasse me soutient et me vivifie. Et son cœur fut passé en si temps de ses pouvoirs ont besoin de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi, et son cœur, si vacillant, si tendre, ce pouvoir ont besoin de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Mettez-nous à genoux pour que nous puissions prier et présenter nos requêtes au Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, c'est avec un cœur reconnaissant, confiant que nous nous présentons devant toi pour t'adorer, pour te louer, pour t'exalter et te glorifier. Tu as fait du bien à nos âmes, tu nous as gardés et protégés tout au cours de la journée. Et ce soir, tu nous réunis dans ce temple pour adorer et entendre ta parole. En cet instant, c'est le moment pour nous de te présenter nos requêtes et d'élever l'assemblée devant ta face. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui a versé son sang pour nous sur la croix, nous voulons te supplier d'avoir pitié de nous pardonner nos fautes, nos erreurs et nos iniquités, de nous laver dans le sang de l'agneau et d'exaucer nos cris et nos prières. Veuille donc adresser chaque cas, chaque demande, chaque requête, veuille apporter une réponse
à chaque requête. Parce que petit tout yo, yo gen confiance dans ou même, yo connaît que c'est toi qui exauce les prières de tes enfants, c'est toi qui les sauve, c'est toi qui les bénit, c'est toi qui les guérit. Et c'est ça que fait nos vini à soya. De mettre prières dans boîte ça. Et gen ça qui a pas dans cœur yo, a pas présenté requête pa yo. Gen l'autre dans souligne qui a tapé demandant qu'il tient à cœur, il pète ça devant ou tout Seigneur et demander au nom de Jésus-Christ pour capable adresser chaque cas à yo parce que nous connaissons le pouvoir pour ça. Où tu es le Dieu tout-puissant, tu fais tout ce que tu veux dans le ciel et sur la terre et rien n'est étonnant de ta part. Nous te supplions, Père de grâce et de miséricorde, de visiter ton peuple, de donner à chacun de nous un témoignage de manière que nous capables d'aller partout pour nous proclamer les bontés de l'Éternel, pour nous raconter ce que le Seigneur il a fait pour nous. Alors que petit tout là pour autant des paroles, nous sommes présents au milieu de nous, selon qu'il est écrit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Au nom de Jésus de Nazareth, n'a pas de papa pour capable passer dans l'assemblée ça et adresser chaque cas encore pour selon les richesses infinies de ta grâce. Et pour la gloire de ton Saint-Nom. Béni petit tout yo, exaucez requête nous yo, voyez délivrance pour nous et disposez cœur nous tout à l'écoute de ta parole. Que lorsque pasteur Ali va parler, que puissance ou capable animer lui, que le Saint-Esprit lui capable servir avec lui pour accomplir volonté ou et surtout pour que peuple ou que ce soit ici là, dans le sanctuaire ça ou bien à la maison, eh bien, il est capable de recevoir la parole ça yo, comme étant la véritable parole de Dieu. Nous comptons sur grâce et miséricorde. Fais du bien à chacun de nous, secouez, sauve-nous. Reste campagne là, nous n'en avons. Et il y a un pile de monde qui t'a aimé venir, qui n'est pas capable de retenir à la maison. Nous demandons pour capable intervenir à leur faveur, de manière que demain soir, il est capable avec nous. Et reste croisade de la papa. Nous demandons pour capable accompagner petit tout et bat nos victoires. Parce que nous connaissons très bientôt Jésus reviendra. Et petit tout yo, yo t'a remis avec ou dans jour ça pour chanter les Alléluia sans fin de l'éternité. Nous disons merci pour ça qu'on fait pour nous déjà. Nous disons merci pour ça qu'on fait pour nous kounia. Et nous remercions encore pour Jésus qui bientôt qui vient chercher nous. Nous avons aussi requête nous, non pas à nous des mérites, mais c'est au nom de Jésus de Nazareth, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pourquoi on a besoin de ma foi. La vie seule, je appris à m'attendre, et je sais. Et maintenant pour le chantem, nous restons debout. Pour le chantem, tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance en force et louange à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres en régulent. La voie de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté.
chante en gloire et puissance, force des louanges à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Amen. Amen. N'a dit nos bonnes écoutes et n'a passé le micro à Pasteur Giroud. Chers frères, chers amis, amis de la campagne, distingués visiteurs, chers internautes, chers membres d'église, vous qui êtes présents ce soir ici à l'église, je vous salue dans le nom de Jésus. Bonsoir à tous. Bonsoir l'église. Comment ça va, frères et sœurs? Nous bénissons le Seigneur qui a été avec nous, n'est-ce pas, pendant la journée. Je mens ou je dis la vérité? Il a été avec nous, n'est-ce pas, frères et sœurs? Il nous a protégés, n'est-ce pas, frères et sœurs? Il nous a gardés, il nous a conduits avec sollicitude et il a fait que, en sorte que nous soyons présents ce soir à ses pieds, à l'église Mont des Oliviers, pour entendre sa parole. Donc je prends plaisir à vous saluer. Je suis aise aussi de saluer tous nos visiteurs qui sont là avec nous ce soir. Nous comptons ouais nous. Nous comptons ouais nous et nous souhaitons que le Seigneur les va bénir nous en abondance. Encore une fois, ce soir, nous avons un message important de la part du Seigneur et nous avons demandé à nos chers amis pour être capables de nous prêter nos attentions, prêter nos les yeux de leur esprit pour qu'ils soient capables de saisir le message que le Seigneur a pour vous ce soir. Nous avons un message important et sans trop palabrer, nous allons rentrer tout de go dans le sujet de ce soir. Et je ne sais pas si c'est lisible pour tout le monde. Est-ce que nous tout ouais, petit message à soya? Nous ne répondons pas, répondre, non, nous avons un message à soi à l'église. Lisez pour moi, c'est quoi ce soir, là? Attendez, la formule de quoi? La formule du bonheur. Ou t'as remis un jeune bonheur? Ou t'as remis heureux, frères et sœurs? Ok, eh bien, nous allons montrer nos côtés bonheur, la sortie à soi. À nous couper tête pour nous prier. Papa, nous qui sommes dans le ciel, là, merci parce que nous sommes en présence. Merci parce que nous sommes en pied. Ou fait passer une bonne journée en bas de l'eau. Ou t'es capable de parler, soya, oui, mais ou t'es campé pour nous. Ou t'es gommé pour nous, pour que nous soyons capables là. La Bible dit que si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Mais petit, tu dans pied, dans le moment ça, nous pouvons parler dans le nom du Seigneur. Accordez-nous puissance, bénis message là, bénis visiteur, bénis tout internaute qui attend de nous. Permettre que Saint-Esprit soit capable de faire chemin dans la vie. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. La formule du bonheur. Le bonheur, chers et frères, chers amis, est une quête complexe. Et chacun en a sa propre définition. Si je n'ai pas couru ça là, je dis chaque monde comment comprendre le bonheur. Là, chaque monde a dit mon bagaille. Les gens comprennent le bonheur. Bonheur là tellement drôle, selon l'histoire, selon un auteur, que lorsque nous pensons le toucher du doigt, celui-ci semble prendre un malin plaisir à nous échapper. Vous comprenez ce que je vous dis?
Mo Gawdat, un ancien ingénieur chez Google, déclare un jour avoir trouvé la formule du bonheur pour le rendre accessible à tous. À condition de faire, dit-il, quelques efforts pour y parvenir. Et lui-même déclarait qu'il n'y a pas de solution miracle, mais une équation, mais il parle d'une équation mathématique qui éclairerait notre recherche du bonheur. Voilà ce que Mo Gawdat a dit. Et pour permettre à chacun de nous, ou du moins à l'humanité, de trouver le bonheur, Mo Gawdat, il a commencé par rechercher les ingrédients du bonheur dans des livres de psychologie, dans des livres de philosophie et dans les livres qui parlent de la spiritualité. Sans jamais trouver, malgré toutes les lectures qu'il a faites, il n'a jamais trouvé le véritable recette permettant d'être heureux. Après 9 années de réflexion, chers et frères, chers amis, 9 années de réflexion, en quête du bonheur, Mo Gawdat parvient à cette conclusion. Voilà ce qu'il dit. Il dit, le bonheur est simplement plus grand ou égal à la perception des événements de notre vie au regard de nos attentes quant au déroulement de notre vie. Voilà la conclusion que Mo Gawdat vient avec lui. M'abroulis encore, il dit que le bonheur est simplement plus grand ou égal à la perception des événements de notre vie au regard de nos attentes quant au déroulement de notre vie. Tout simplement ce qu'il voulait dire, il voulait dire simplement que c'est notre perception des choses qui déforme la réalité et nous éloigne du bonheur. Ces gens comprennent bagaille là. Les événements viennent devant, ces gens percevoir là. Ces gens prennent là, qui déforment la réalité que le poté baoua et qui fait que ou même ou pas heureux dans l'événement qui vient devant là. Ça, monsieur dit, à admettre que frères et sœurs, il y a un pile vérité là-dedans. Sa conclusion a beaucoup de vérité. Mais cependant, pour vous qui m'écoutez ce soir, je crois que la formule qui rend heureux, il est vrai que Mo Gawdat avait en tête qu'il pouvait trouver le bonheur, ou bien cette prétention de trouver le bonheur. Mais cependant, je crois que la formule qui rend heureux ce soir, ou du moins, sœurs et frères, le secret du vrai bonheur se trouve dans la parole de l'Éternel. Si vous voulez être heureux ce soir, bien-aimés, il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre solution que d'aller dans la parole de Dieu. Le bonheur, mes frères et mes sœurs, c'est dans bon Dieu lié. Amen. Le bonheur, mes frères et mes sœurs, il se trouve en l'Éternel. Amen. Et il veut communiquer ce bonheur aux hommes, à toi et à moi ce soir, aux femmes de l'humanité. Combien de monde captant de m'là qui malheureux? Combien de monde captant de m'là, l'œil devant monde, la force rit pour monde pas qu'on a fait. Mais au fond, en dans la manger. Combien de monde captant de m'là, qui pas crié pour monde pas ouais que l'a sué les yeux avec un mouchoir, mais qui versait des larmes secrètes. Combien de monde captant de m'là, mes frères et mes sœurs, qui là à l'église là. Combien de monde cap gardem sur YouTube, cap gardem sur Facebook, captant de m'là, qui criait sans de l'eau pas couler. Combien de monde captant de m'là, qui peut-être pensait que l'heureux parce que le marié, qui pensait peut-être que lui bien accompagné, mais au fond, pas de monde qui seul passe. Mes frères et mes sœurs, ou même captant de m'jodia, ou même qui branchait, qui là, et qui l'église là, qui te m'dit ou, le vrai bonheur, c'est pas l'argent qui baille lui. Le vrai bonheur, c'est pas euro qui baille lui. Le vrai bonheur, c'est pas renommée qui baille lui. Le vrai bonheur, c'est pas connaissance intellectuelle, médicinale, c'est pas connaissance philosophique, scientifique et que sais-je encore qui baille lui. Le bonheur se trouve dans une seule personne, dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Et voilà pourquoi ce soir, comme premier texte
Je m'en vais lire avec vous, madame, monsieur, ces versets enchâssés dans Deutéronome 33, verset 29. Dans la Bible, la parole du Seigneur, mes frères, y a un livre que l'humanité par aimait, y a un livre que l'humanité shootait, y a un livre que l'humanité voyait jeter. La Bible, la parole du Seigneur, dans Deutéronome 33, verset 29, il dit, « Que tu es heureux, Israël. » Est-ce qu'on peut lire avec moi? Nous, qu'allons lire avec moi. Qui ça le dit, mes frères? Allez, ça le dit. Il dit, « Que tu es heureux, Israël. Hein? » Encore, ça le dit. « Qui est comme toi? Un peuple sauvé par qui l'Église? Par l'Éternel. » Ok? « Le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. » Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leurs lieux élevés. Et ce qui amène là, frères et sœurs, Israël heureux. Je dis à Mabdou que nous-mêmes qui là, Captain Demouin, nous c'est Israël par la foi. Parce que même pour Messe Israël là, c'est lui nous gagnons tout. Amen, frères et sœurs. Nous sommes des Juifs par la foi parce que nous recevons la même promesse. Dieu avait dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Mes frères, nous sommes heureux parce que nous sommes sauvés par l'Éternel. Vous d'accord à ça, frères et sœurs? Nous sommes sauvés par Jésus. La Bible dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Plus gros problème qu'on a gagné, je dis à mon frère, ma sœur, c'est pas problème voyage, c'est pas problème l'argent. Puis gros problème que au monde qui a gagné aujourd'hui, c'est le problème du péché. Parce que si pas de péché, pas de problème. C'est péché qui met problème. Et remettre péché, c'est Jésus qui gagne, frères et sœurs. Oui, remettre péché, c'est Jésus qui gagne. Et ça fait, il dit là, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi. Mes frères, le bon Dieu avant tout bon, le ennemi, il y a tombé devant au nom de Jésus. Ennemi, il n'y a pas qu'à camper devant parce que bon Dieu avec vous. Et puis il dit, et tu fouleras leurs lieux élevés. Et bien vrai, frères et sœurs, ça que fait, on fait ça, on fait exploit ça, c'est parce que bon Dieu l'y a avec vous. Mes frères et mes sœurs, le bonheur, vous joignez dans la jouissance de la personne et de la présence du Seigneur. Et voilà pourquoi nous venons de lire ces versets, ce texte dans Deutéronome 33, verset 29. Nous avons aussi ces versets dans le psaume 1er, versets 1 et 2. Les versets 1 et 2, n'est-ce pas? Nous parlons du bonheur. Maintenant, côté bonheur assorti, c'est dans bon Dieu. Ok, dans le psaume 1er, qui ça le dit? Il dit qui ça? Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas, nous parlons non? Selon quoi? Selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et il pourrait le dire plus bas, mais qui trouve, en allez non, qui trouve quoi? Son plaisir. Dans quoi? Dans quoi l'Église? Dans la loi de l'Éternel et qui la médite. En d'autres termes, ça auteur l'a dit là. Moun qui est heureux, c'est celui-là qui prend plaisir dans méditer la loi de l'Éternel. C'est prendre plaisir dans méditer parole là. Alors le vrai terme, c'est pas méditer, non. Le vrai terme tiré de l'hébreu, c'est murmure la parole. Celui qui murmure à voix basse, même Jean Anne t'a prié dans le temple, elle t'a battu bouche à voix basse devant Élie, et bien elle t'a murmuré, elle t'a balbutié. Moi, avant chaque jour, pour nous heureux, c'est la loi pour nous méditer, c'est la loi pour nous murmurer. Mes frères, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas. Bon Dieu pas voulait nous prendre conseil dans mes méchants. Bon Dieu pas voulait nous camper côté méchant yo yé. Mais ça bon Dieu pas voulait nous même si ta dans compagnie yo. Nous voilà non frère et sœur. Mais qui ça bon Dieu voulait pour nous? Il dit mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mes frères, en pile fois, nous qu'on passer des semaines, des mois, nous pas jamais lire la Bible. Il aura parlé d'une sœur qui avait égaré ses lunettes. Et puis c'est égaré lunettes li et puis là bat moun la kay la pour lunettes là il pas ka jwenn ka jwenn parce que par contre côté lunettes là il s'est cherché lunettes li il pas ka jwenn lunettes là gouma moun la kay la poser question jour retirer pied côté lunettes là fait lunettes là ses yeux il pas ka wè lunettes là et puis bizarrement un beau jour
Et là, a fait travail dans la cale, elle a sué, sué, sué. Et puis, il passe son toile sous Bible là tout. Et puis, là, elle a ouvert Bible là. Les jeunes lunettes là cachent dans Bible là. Mes frères, nous parlons, pas bête nous mentir, nous parlons la Bible encore. Nous pas gain temps pour lire la Bible. Travail, Amérique, pas nous temps. Bill pour nous payer. C'est pas vrai? Nous travaillons et même faire overtime parce que faut nous payer Bill, Bill en pile. C'est pas vrai? Bill de rempile, et pourtant, gon bill, s'il sous terre tout, ou chiré, c'est bill péché. Puis gros bill là, c'est pas bill de gaz, électricité, non? C'est pas bill de caille, non, mes frères? Puis gros bill là, c'est péché. Je dis, ya, seul remède pour péché, ya, c'est le sang de Jésus, c'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Amen. Donc, le Seigneur m'a demandé pour nous maîtriser, pour nous prendre plaisir, nous, dans la loi de l'Éternel. Pour nous prendre plaisir dans la volonté de Dieu. Et non seulement pour nous prendre plaisir là-dedans, mais pour nous méditer jour et nuit. Mes frères, verset ça vous montre nous que le bonheur, le trouver dans la Bible, dans la parole de Dieu. Le bonheur au regard de la parole de Dieu, mes frères et sœurs, lui prend sa source dans une vie droite. Le texte là dit heureux l'homme, mes frères, heureux l'homme. Texte là, nous parlons ça dans son premier, il dit heureux l'homme. Maintenant, mot heureux ça, bonheur là, il sorti dans un mot hébreu, mot c'est achiré en hébreu, achiré. Et monde qui fait grec, yo grec là c'est makarios. Là, yo dit heureux en hébreu, ou du moins bienheureux en hébreu, yo mettez le au superlatif. Celui qui est bienheureux, c'est celui-là qui marche droite dans la présence de bon Dieu. Ceci là, tout le monde a fait zéro tourner neuf, mais lui-même, il connaît si au café, mais lui-même, il n'a pas café. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais Daniel à Babylone, il a cherché qui ça Daniel t'a fait dans l'archive gouvernement. Pendant tout le temps de faire à Babylone, il n'y a pas qu'à jouer rien pour le reprocher. Mes frères, le vrai bonheur, il prend source dans une vie droite. Chrétien doit marcher droite. Quelle que soit la circonstance, s'il faut pour mourir, c'est pour mourir pour la droiture. Parce que tout menti par fond, et bon Dieu pas prend plaisir dans menti, bon Dieu prend plaisir dans la droiture. Leur fidèle, leur droite avec bon Dieu, leur droite dans le travail là, leur droite dans le bureau, leur droite dans le marché, leur droite, mes frères, dans tout ça va faire, le Seigneur l'a prêté aux présences li. Amen. Pour nous droite, dans tout ça l'a fait. Mon affaire faut chercher ou pas la donne. Mon a fait 0 tourne 9 ou pas la donne. Et pas vrai mes frères. Mon a bay menti pour y arriver. Gen moun pou jwenn yon poste, li rampé. Gen moun pou jwenn yon poste, regardez, même en bas semelle moun, li presque léché pour jwenn yon poste. Chrétien pas nan rampé devant moun. Chrétien si pour ramper, ou après un peu devant Jésus de Nazareth. Parce que gen moun l'a fini ramper devant la manko de gars, mais l'a ramper devant bon Dieu, l'a pleuvé en dignité frères et sœurs. Mes frères et sœurs, le bonheur dans la Bible, il prend sa source dans une vie droite. Et nous parlons de ça, mes frères, dans Psaume 119, verset 1 et 2, qui ça le dit? Il dit qui ça? En allez, il dit heureux. Nous allons y avoir heureux ceux qui sont. Ah, mais attendez, ceux qui sont comment? Intègres. Dans qui ça? Dans leur voie qui marche selon la loi de l'Éternel. Là, on dit vois ça, V-O-I-E. Pas qui m'a dit qu'à remplacer là, vois ça. Le chemin. Où tu as fait le droit, mon frère? Ou d'accord ça, mes chers amis? Chemin où tu as fait le droit, et pas vrai, qui marche selon la loi de l'Éternel. Bon Dieu voulait pour nous marcher droit dans tout ça, n'a fait. N'a pas avancé, et pas vrai, dans même somme, dans verset 2, il dit heureux, en allez non, heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Combien de monde cap chercher bon Dieu à tout cœur, je vous dis? Combien de monde vraiment cap chercher bon Dieu à tout cœur, mes frères? Gen moun ki l'église là, c'est col qui l'amène l'esprit le bala. Gen moun ki vin l'église là, message la prêché, même site message la pa ka di ou parce que tête li pa là, la pense à l'autre bagaille. Chers amis, mes frères et mes sœurs, le bonheur se trouve dans la méditation de la Torah. La méditation de la loi, de la parole de l'Éternel. N'a pas avancé dans Luc 11 verset 28. Jésus fait une déclaration, qui ça le dit? Il dit qui ça? Et il répondit: heureux plutôt ceux qui écoutent quoi? La parole de Dieu et qui la gardent. Heureux
monde qui garde parole bon Dieu, qui tendait parole bon Dieu. Jésus pas dit heureux ceux qui entendent, non. Il y a une différence entre entendre et écouter. Oula, est-ce que nous l'avons, frère et sœur? Nous parlons, il y a une différence entre deux verbes, les verbes entendre et écouter. Je peux entendre un bruit. Je peux entendre une chanson. Ma passe là, m'entend des chansons, ma passe de yoa, et puis me passe droite. Mais quand j'écoute la chanson, ça c'est autre chose. M'entendez parole, yo. Et pas ça? M'pesez sous parole là, m'entendez parole là, et même m'analyser parole, yo, m'analyser mélodie. Ça, bon Dieu, v'lène pour nous aujourd'hui. C'est pas pour nous tendre parole là, non, mes frères. Mais c'est pour nous tendre, pour nous écouter parole là. Et non seulement pour nous écouter, mais pour nous garder parole là. Mes frères, Jésus va venir chercher les théoriciens au pouvoir. L'église a chargé les gens qui connaissent la Bible par cœur. Chargé les gens qui ont dit, mais tout ça qui est dans la Bible là, mais tout détail qui est dans la Bible là. Mais ils ne connaissent pas bon Dieu vraiment. Plein de gens qui ont parlé de Jésus, mais qui ne connaissent pas Dieu. Mes frères, il y a beaucoup de gens qui ont de la connaissance sur Dieu, mais qui n'ont pas la connaissance de Dieu. Je dis à bon Dieu, voulez pour nous gagner connaissance li en réalité, qui relation gagne avec si là. Je dis à nous peur Bible là, gen moun qui peur Bible là, gen moun qui pas mettre rien sous Bible là, mais qui pas gen relation avec moun qui derrière Bible là. Qui ça qui est important, Bible là ou bien si là qui derrière Bible là, mes frères? Il est important d'avoir une relation avec celui, ou du moins avec le tout autre au-delà du texte. Chers amis, mes frères, le Seigneur ce soir nous donne la formule du bonheur. On allait dans Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 9. Le Seigneur parle par Moïse. Il dit, écoute Israël, nous là. Il dit, l'Éternel, notre Dieu, on allait, est le seul éternel. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Ensuite, ça le dit, de toute ton âme. Ensuite, frères et sœurs, et de toute ta force. Ok, il dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Qui côté bon Dieu pour votre commandement, frères et sœurs? Non, non, cœur non. Côté cœur, montrez-moi cœur là. Non, c'est pas ça cœur. Non, cœur c'est pas ça. Yes, le cœur dans la pensée hébraïque c'est le cerveau. Et ça fait monde qui apprend Marc de la bête là, c'est deux côtés à prendre. C'est sur le front. Qui côté encore? On a les noms. Qui côté encore? Et sur la main droite. Main droite là, c'est lui qui bat courant à corps humain. Mon qui connaît Abdou que le bras droit d'un homme est plus fort que son bras gauche. Regardez, on ne parle pas de ça, non? Nous parlons, non? La main droite, c'est un symbole du travail. Et le front, c'est quoi? Le front, c'est le symbole de la pensée. Toute pensée qu'on fait, c'est là le sorti. Là, on est gris, mais on fille, dame ou on fille, c'est pas là que mes filles. Non, c'est là. On n'a pas qu'à dormir, c'est pas ça que le bac à dormir, non, c'est là qu'il faut pas qu'à dormir. Yes. Mes frères, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront qui côté dans ton cœur? Non, pensez-vous, le centre, le cerveau, le centre de la personne, c'est pour le cœur. Commandement, bon Dieu dit ensuite, par la suite, il dit, tu les inculqueras à tes enfants. Faut parler à petit tout. Nous là, frères et sœurs, tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Commandement ça, faut le bouchou chaque jour. Nous voilà. Commandement, faut le bouchou chaque jour, frères et sœurs. Vous d'accord à ça? C'est pour méditer, c'est pour parler de lui. Commandement doit tourner une passion pour vous, doit passionner. Ou doit une obsession, ou obsédé par la loi de l'Éternel, ou obsédé par la méditation de sa parole, ou doit obsédé comme Daniel, comme Moïse, comme David, n'est-ce pas, comme Enoch, comme Noé, des hommes qui étaient médités la parole de Dieu. Mes frères, je dis à l'église là, si moi avec nous t'es collé sous mon Dieu, l'église là t'as puissant au nom de Jésus. Des fois, j'aime la Bible, je réfléchis, je suis dans les yeux parce que je regarde moi, apôtre Paul a passé quelque côté. Paul n'a pas prié à mon nom, je mettais malade au bord de la rue. Et puis là, Paul passait, l'ombrage Paul seulement passait sur mon nom, mon nom guéri. J'aime avoir son autre bon Dieu à prier. Nous tellement rates, nous tellement hypocrites l'église là, nous tellement pas de respect pour mon Dieu,
nous pas qu'à jouer une puissance, mes frères et mes sœurs. Faut admettre que nous pas chercher bon Dieu tout bon vrai. Si nous te chercher bon Dieu vrai, mes frères, l'église serait puissante. Je m'étais malade de voilà où y a les pierres à passer et puis l'ombrage Pierre guérit mon Dieu. L'ombrage lui, oui, mes frères. Quel est son autre bon Dieu à parler ou même bon Dieu? Pas la même dans l'église, pas la même. Mais c'est quel est son autre bon Dieu, mes frères? Saint-Esprit dit Philippe, mon eunuque, appelé la Bible à lui, à côté. L'Esprit enleva Philippe, lui mène Philippe à eunuque là. Et le Philippe fin baptisé eunuque là, l'Esprit l'enleva. Quel est son autre Bible à dire là ou bien son autre bon Dieu à parler là ou bien même bon Dieu à servir là? Où est le problème? Nous pas collés sous bon Dieu. Mes frères, quand nous gravons l'église, l'homme dit nous, on me la donne tout, oui. On ne peut pas plaider des pièces pour me retirer tête, mais on me la donne tout. Mes frères, nous pas chercher bon Dieu vrai, mes frères, faut d'accord ça. Nous plus sous show off. Nous plus voulons décourager. Nous plus voulons abandonner. Alors que le combat est fini, nous voulons courir, aller, quitter ça. Alors que bon Dieu pas jamais agi, les bagages sont faciles. C'est là pas gagner espoir encore. Bon Dieu levé quand il dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Mes frères, depuis le monde est monde, bon Dieu pas jamais agi dans une situation qui est facile. C'est pour monter à la camper devant même. C'est pour pas avoir solution même. Et là, pas avoir solution. Et puis l'Éternel dit, voici la solution. Chers amis, bon Dieu voulait pour nous parler de parole là. L'un voyage, l'un coucher, l'un lever. Et bien vrai, pour nous lier, tu les liras. Qui côté? Comme un signe sur tes mains. Ah, nous lions avec nos frères et sœurs. Comme un signe sur quoi? Sur tes mains. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Bon Dieu qui a parlé là. Il dit, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. En d'autres termes, bon Dieu voulait pour parole la menette. C'est passion moi avec vous. Nous devons passionner de Bible là. Nous devons passionner de la loi. Nous devons passionner de la parole de Dieu pour nous capables heureux. Le bonheur au sens hébraïque prend sa source dans une vie droite. Continue. Là où est-ce que heureux l'homme? Vous avez dit? Là où est heureux, moi, c'est acheré. Vous avez dit en français? Il veut dire en français, continue à marcher droit, D-R-O-I-T, malgré les épreuves de la vie. Continue à marcher droit, malgré les épreuves, malgré petit ou mourir, ou perdu travail, ou madame ou quitté, ou, et bien vrai, servant ou aller, quand il a crasé, ou perdu tout avoir, tout sorte de gagner, ou apprêté droite dans l'Éternel. Ou dit même Jean-Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Mes frères, les bois marés, puis devant, ou apprendre qui moun qui était chrétien tout bon vrai. Koubaga la red tout bon, ou apprendre qui moun qui était chrétien. Ou apprendre qui moun qui était là tout bon vrai. Gimoun, depuis qu'on s'y est, on s'y doute, li à l'école, li qui était à l'école, li pas là. Ceux qui sont campés. Mes frères, s'il faut que je meure, je mourrai dans les bras de Jésus. Amen. Job perdit toute salle de gain. Petit, il perdit serviteur, il perdit toute richesse, il perdit toute bagaille. Au dernier lieu, il perdit santé. Quand Job a calé vert tout vivant, madame Job dit Job, ah, pour ça, bon Dieu, ça fait, oh là on va venir parler de Nexa, on cherche 100 ou en pile, maudit Nexa et puis mourir. Job dit, regarde, est fou même. Job dit, t'es pas droite. Tu parles comme une insensée. Alors pour tout ça, bon Dieu fait pour nous, mal n'est pas arrivé nous tout. Quand est-ce que ça oui, je dis là? Qu'on pile chrétien, qu'on bagaille commence, il y a beaucoup de résultats, il y a des qui sont découragés. Non! C'est pour dire en avant, au nom de Jésus, victoire là assurée, mes frères. Job dit, maudit Dieu et meurt. Job dit, hein, comme si pour tout ça, bon Dieu fait pour nous, on ne sait pas arriver. L'Éternel a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. Mes frères, chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, en allez, ce soir, je vous donne rapidement, en 10 paroles, le secret du vrai bonheur. Dans Exode chapitre 20, mes frères, la loi de Dieu, le décalogue, le Seigneur dit par la bouche de Moïse, sur la montagne de Sinaï, il dit au peuple, tu n'auras pas d'autre Dieu. Devant quoi? Devant
ma face, n'a pas avancé. Il dit qui ça, tu ne te feras. M'attend de l'église là, tu ne te feras. Attendez-moi, oui, image taillée. Ni de représentation quelconque des choses qui côté, qui sont d'en haut dans les cieux, qui sont qui côté encore, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. N'a pas avancé. Bon, je dis, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu comme mon frère et soeur, un Dieu. Après, tu connais. Il y a des fois, on fait bon Dieu rouge, oui. Combien de fois, moi, on fait l'Éternel rouge de jalousie parce qu'on n'a pas adoré l'autre Dieu. On n'a prosterné devant l'autre Dieu. On n'a pas adoré statue. Marie ou Saint, ou c'est maman bon Dieu, la prière pour nous aujourd'hui. Et puis, y'a. Prière pour nous, qui ça? Il y a des gens qui disent, maman Marie, besoin de sauver. Elle dit Jésus ça. Ça le dit Jésus. Ya. Mais frère, bon Dieu, pas les bagages, c'est abomination. Bon Dieu dit, dans parole là, mes frères, li pa vle nous prosterner devant statue, devant idole, n'est-ce pas? Li pa vle nous servir, yo, parce que le son bon Dieu qui jaloux. Et l'on fait ça. Bon Dieu dit, li puni, en allez, l'iniquité des pères sur les enfants, en allez, non, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Gen bagay ou ap passe nan vie, gen des souffrances ou gen nan vie, c'est pas un yon fait non, c'est péché papa ou ap payer. Péché maman, nous n'allons pas commencer à me dire non. C'est péché arrière grand-parents, on va payer. Parce que les papas au fond bagaille, ils ne pas de confesser, on va payer conséquence là. Jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. L'on pas obéi à la loi de l'Éternel ou raï, bon Dieu. L'on pas obéi aux 10 commandements de l'Éternel ou raï l'Éternel. L'on pas fait ça, bon Dieu, mandé pour faire ou raï, bon Dieu. Mes frères, la Bible dit, Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants. Jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. En aller, nous parlons de bon Dieu, bon, nous parlons, et qui fait, en aller, et qui fait miséricorde. Nous parlons là, nous parlons là, regarde les femmes d'aller s'en bas. Et qui fait miséricorde jusqu'à combien de générations? L'épinion jusqu'à quatrième, troisième, quatrième. Mais là, il faut grâce jusqu'à mille. Qui rapport? Il y a un rapport dans deux chiffres, ça y est? Est-ce qu'il y a un rapport dans deux? Non, pas un rapport. Ça veut dire que mes frères, ce que Dieu veut ce soir, ce n'est pas que tu meurs, mais c'est que tu te repentes et que tu sois sauvé pour la gloire de Jésus. Amen, frères et sœurs. C'est ça, mon Dieu, je dis, la formule qui donne le bonheur, c'est la loi du Seigneur, la loi de l'Éternel. Le Seigneur dit, jusqu'en mille générations, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements, n'a pas pensé, tu ne prendras point le nom de l'Éternel. En allez, ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Est-ce qu'on comprend ça, je veux dire, mes frères? Prendre le nom de Dieu en vain, ce n'est pas juste pas citer le nom de Dieu. Quelqu'un qui dit, ah, ou citer le nom de Dieu trop, ou prendre le nom de Dieu en vain. Oui, et puis, aïe. Ou citer le nom de Dieu trop, oh, musique, ça tout le temps son Yahweh, Yahweh, ou gaspiller le nom de l'Éternel. Ce n'est pas ça. Prendre le nom de Dieu en vain, ici, dans le texte, le vrai sens qui s'allie, c'est des mouns qui l'église, mais qui prend l'église là pour yon drap. C'est des mouns qui l'église, mais qui prend l'église pour yon couverture. Mouna méchant parce le bagage. Mouna hypocrite parce le bagage. Mouna rat parce le bagage. Mouna gade méchant parce le bagage. Mais le caché en bas, wop chrétien théa pour moun pas contre qui est lié. Je ne sais pas dit, même pas dit là, quitte ça. Mes frères, ce n'est pas tout le monde qui l'église qui bon moun. Bon, bon, quitte ça, en allez. Il dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Gemma, l'église, c'est où chercher? Parce que ou pas servi bon Dieu fidèle, ou pas sincère dans bon Dieu contre qui monde qui a servi sincèrement, et monde qui dans hypocrisie, de pour dans deux faces dans l'enfer pour aller, pour sauver, faut droit dans le Seigneur. Amen. C'est pour droite, de pour grossir ou pas joindre bon Dieu. La Bible a dit heureux l'homme qui ne marche pas. Ça veut dire, l'elle dit heureux, moi c'est acheré en hébreu, makarios en grec. Il veut dire en français, continue à marcher droit malgré les épreuves de la vie. Mauvais moment, pas qu'à faire 0 tourner 9.
Mauvais moment, pas qu'à faire fois blasphémer le nom du Seigneur. Gen chrétien qui travaille dans le bureau, regardez, yo gaspiller dans l'Éternel dans le bureau. Yo dit, gen moun qui me dit, ah, si c'est pour un tel, m'bap jam ceci, m'bap jam cela. Non, bon Dieu, pas glorifié. L'or au côté, c'est pour le monde garder, tout le monde a fait zéro tourner neuf, mais ou même, c'est pour yo dit, monsieur par la donne, monsieur droite dans le Seigneur, c'est pour non, bon Dieu, glorifier dans la vie, pour tout le monde connaît que c'est l'Éternel seul qui est Dieu, mes frères. De pour l'église là ou pas sincère, bon Dieu a pini ou. Ou a joué dans l'Éternel. Et puis, et ça me remet là, le bon Dieu dans la loi là, qui ça le dit? Il dit qui ça? Il dit souviens-toi, en allez, souviens-toi du jour du repos. Mais attendez, non mes frères, pour faire quoi? Pour le sanctifier. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Et puis bon Dieu dit, tu travailleras, mais attendez, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Et puis il dit, mais le 7e jour, c'est quoi? C'est le jour du repos de qui? De l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur. En allez donc, mes frères, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Et puis il dit, car en 6 jours, le Seigneur a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. Et puis il dit, c'est pourquoi l'Éternel a... C'est qui a même dit amen, mes frères? Bon Dieu crée 7 jours dans ce maintenant, mais son seul qui bénit. C'est une découverte quoi ça t'a dit amen, mes frères? Son seul qui sanctifié. Je ne sais pas si la Bible pour moi le dimanche, c'est le jour consacré au repos, la prière et la messe. Si vous avez un cabrel dans la Bible, vous montrez là et puis vous avez un bon petit cadeau, vous montrez là. Ou bien si on visite tout, vous regardez nous là sur YouTube, si vous connaissez l'écrit dans la Bible, le dimanche, c'est le jour consacré au repos, la prière et la messe, vous voyez le texte à moi et puis vous avez côté de l'église et puis vous avez parlé à nous deux. Bah j'aime quand elle écrit, il y a des hommes, des intellectuels, de freins intellectuels, des mouns maman aurait dit, vendre charbon pour y arriver quelque chose dans la société. Et puis nègre vendre conscience li pour l'argent. Là, tout, maman Marie m'a besoin de sauver Aldi Jésus ça. Foutaise. J'aurais à vous montrer, mes frères, que la Bible pas jamais montré que Marie monte dans le ciel. La Bible pas montré ça. Au contraire, Jésus monté pour contre lui. Je vais montrer nous ça puis devant. Prochainement, je vais montrer nous ça. Mes frères, chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, tu as semblé un problème français. Il y a un problème français. L'autre dit que le sabbat, c'était pour les juifs. L'autre dit que le sabbat, c'est pour les juifs. Le sabbat, c'est Moïse qui vient avec elle. Menti ou fait? C'est parce qu'on ne comprend pas le français. Texte là dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Le Seigneur a baillé le décalogue sur la montagne de Sinaï. Le rive dans sabbat. Il dit, souviens-toi. Là où tu souviens-toi d'une chose, ça veut dire quoi? Moi, qui connais le Québec, je dis que dans la plaque machine, il est marqué, je me souviens. C'est pas vrai? Un événement qui est passé, je me souviens. Souviens-toi. Ça veut dire, songez, rappelez-vous. C'est une piqûre de rappel. Le sabbat était là avant Israël. Adam et Ève, juif juifs. Abraham, c'est juif. Non. Si Abraham t'a vivre aujourd'hui, Abraham serait irakien ou bagdadite. Côté Abraham sorti, dans la région sorti dans Caldea, c'est Irak qui l'a. Irak. Abraham t'a irakien ou bien bagdadite. Abraham n'était pas juif. Adam et Ève n'étaient pas juifs, mes frères. Nation juif l'a pral sorti à partir de Jacob qui descend en Égypte. Bon Dieu dit, oh là, souviens-toi, ça veut dire tout ancêtre, yo, t'es qu'on observait le sabbat du Seigneur. Ah, si t'es grave, on t'a dit amen, mes frères. Adam, t'es qu'on fait sabbat, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. M'bral dit, ou asroya, yon vérité vraie, et souffle l'étendue ou attendez. Mes frères, sabbat, pas qu'à sauver ou, mais on pas qu'à sauver sans sabbat. C'est pas sabbat sauver ou, parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, non pas le sabbat, mais son fils unique. Gémon qui va d'accord avec moi. Gémon qui va d'accord avec moi. C'est pas ça qui sauve avant. Ça qui sauve avant, c'est Jésus qui sauve. L'offre de Jésus, ou pour le faire sabbat pour sauver à la gloire de Dieu. C'est Jésus d'abord pour gagner. Est-ce que là où on sous la croix, tu es en faire sabbat pour te sauver? Jésus dit, aujourd'hui je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Il n'est pas même que tu es baptisé, il n'est pas même que tu es en faire sabbat. Mais Jésus sauve le sous-croix. Jésus est plus grand que le sabbat.
Nous ne pouvons pas croire ça, non? Nous ne pouvons pas croire ça. Jésus a précédé le sabbat. Parce que Jésus est maître du sabbat. Jésus est le créateur du sabbat. En d'autres termes, ce qui te sauve ce soir, ce n'est pas le sabbat, mais c'est Jésus qui te sauve. Amen. Et par amour pour Jésus, tu dois observer le sabbat du Seigneur. C'est qui amène, dit amen. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras combien de jours, frères et sœurs? 6 jours. Mais le 7e jour, c'est le jour du repos de l'Éternel. Mes frères, si vous ne faites pas comme ça, vous chirez. Si vous ne faites pas comme ça, vous commencez à relever Jésus depuis 1er janvier jusqu'à 34 décembre, corvée ou à faire. Parce que bon Dieu dit, c'est libre ou fait. Ah, m'a fait cela, parce que pasteur un tel pral parler, et prêtre un tel pral parler. Mes frères, regardez, plutôt prêtre un tel perdu, mais ou même ou sauvé dans mou. Sauve-toi pour ta vie. Mes frères et mes sœurs, l'impossible pour heureux dans le monde ça, si vous pas observer la loi du Seigneur. C'est qui amen, dit amen. L'impossible pour heureux dans le monde ça, sans pas observer le sabbat du Seigneur, sans pas faire le décalogue, les 10 paroles de l'Éternel. C'est bon Dieu qui baille. Et le Seigneur dit, quiconque mettra ces choses en pratique vivra par elles. Amen, amen, amen. Faut faire pour vivre heureux. Mes frères et mes sœurs, baka bon menti, ma bon vérité jodia, en vérité, souffle le kouem, Marie pas qu'à sauver ou. Marie maman Jésus pas qu'à sauver ou. Marie pas qu'à prier pour vous, mes frères. Non, la Bible dit qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Comment relé? Lirele, Jésus-Christ de Nazareth. Si qui amen, dit amen. Non. Mes frères, bon Dieu dit, bon Dieu tellement bon, oui. Il dit, ouais, joue ça bas. Ni toi. Ou elle pas dit l'homme et la femme. Il dit, ni toi. Toi, englober l'homme et la femme. Parce que dans la tête, bon Dieu, garçon, pas sans fille. Et fille pas sans garçon. Nous pas là. Si c'est un garçon marié pareil ou chiré. Si c'est un fille pareil ou marié ou tombé dans tout. Bon Dieu dit, le mariage, c'est entre un homme et une femme. Si amen, dit amen. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur. Regardez, en quel monde là qui n'a pas de travail dans le sabbat, le sabbat est consacré à l'Éternel. Amen. Même l'étranger qui est dans tes portes, ni l'émigré que tu as chez toi, n'est-ce pas? Car en 6 jours, voilà non? En 6 jours, le Seigneur a fait les cieux, la terre et la mer. Leur pas observé le sabbat, ou vous l'avez dit, qui sont vous l'avez dit? Ou dit bon Dieu, pas créateur? Non, pas comprendre, non? On dit bon Dieu pas créateur, parce que le sabbat c'est le sceau de Dieu. Toute institution ou la donne, il y a un sceau. L'église n'a pas un sceau là. Il y a une lettre qui a sorti, nous pas sceller avec sceau l'église là. Eh bien, mon Dieu, il y a un sceau partout. Le sabbat c'est le sceau de Dieu. Amen. Bien-aimés, soeurs et frères, très bientôt, le monde va le diviser en 2 camps. Moun qui a observé le sabbat et moun qui a observé le dimanche. Qui joue qui a triomphé? Qui joue qui a triomphé? Le jour de l'homme ou le jour de Dieu? La première loi du dimanche a été votée le 7 mars 321 par l'empereur Constantin. Que tous les juges, les vénérables, les citadins se reposent au jour du soleil. Comment aurait le dimanche en anglais? Son day. Lors décomposer son S-U-N. Ça le veut dire en français. Soleil, son, oui, ça, S-U-N. Et bien soleil. Day, jour, eh bien dimanche en somme, ça veut dire le jour du soleil. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur ce soir nous dit que en 6 jours, le Seigneur a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Il y a ce grand prédicateur que j'aime beaucoup, John Wesley. John Wesley dit qu'il y a trois types d'observateurs dans le monde. Vous êtes là avec moi? Nous là? John Wesley dit qu'il y a trois types d'observateurs dans le monde. Les observateurs du samedi, les observateurs du dimanche, et les observateurs du sabbat. Bon, vous prenez 3 types d'observateurs. Les observateurs du samedi, les observateurs du dimanche et les observateurs du sabbat. Quelqu'un qui a dit, mais ça, Wesley a dit comme ça. Sabbat et samedi, c'est même bagaille. Non, il n'y a pas même bagaille. Ou capable de venir à l'église le samedi, se reposer le samedi, c'est bien. Lorsque vous l'église dans le samedi, vous venez adorer l'Éternel, d'accord avec vous, ou faites 10 sous 10. Mais on peut finir. Se reposer le samedi, c'est bien. Mais on peut faire samedi ou pas faire sabbat. Parce que observer le samedi, c'est bien. Mais observer le sabbat de Dieu, c'est spirituel.
faut chrétien tout bon pour faire ça bas bon Dieu. On va pas comprendre samedi là non mais ou qu'a fait samedi ou pas faire ça bas oui. En l'église là et puis ou l'église là passer à prêcher vite tout. Mes amis, pourquoi pas faire bénéfice en travail là. Ou de faire bénéfice moi. OK. Puis ta faut mal payer bill là puis ta oui, comme si ou là mais c'est corps qui là mais esprit pas là. En vérité pas béni. Ou maudit devant mon Dieu. L'on là va pas adorer bon Dieu, c'est pour tout corps là net pour servir bon Dieu. Mes frères et mes sœurs, bon Dieu mande nous pour nous observer le sabbat. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Et pas vrai, bon Dieu dit, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Et puis il dit, honore ton père et ta mère. Pour qui ça? Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne seras point. Nous voilà, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Et pas vrai, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, et tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Si qui amène, dis amen, frères et sœurs. Parole de l'Éternel. C'est ça, bon Dieu, m'a dit pour nous faire. Mogaudat. Ingénieur de Google croyait qu'il pouvait trouver le bonheur, mais après 9 années de réflexion, il faut comprendre le bonheur là, c'est gens percevoir événement. Ce soir, nous pas dans la relativité, nous pas dans le relativisme. Le vrai bonheur, parole bon Dieu, pas relatif la donne. Pour heureux, il faut faire la loi du Seigneur. Amen, frères et sœurs. Bien-aimés, chers amis, il est important aujourd'hui. Dans Deutéronome 5, verset 29, le Seigneur par la bouche de Moïse dit cela. Il dit, oh, attendez bien, oui, mais qui ça, bon Dieu dit, oui, oh, s'ils avaient toujours ce même cœur, attendez bien, oui, pour me craindre, voilà, et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Mais frère, il y a des mal écrits, c'est où que cherchez. Si moi avant nous te mettez tête nous là pour observer la loi du Seigneur, nous t'a béni, petit, nous t'a béni pour l'éternité. Et ça fait chrétien tout bon, hein? Là la progresser au paraïl, sur rail ou mourir oui. Parce que mon a sacrifié pour le servir bon Dieu tout bon. Et l'os sincère à bon Dieu a lever en dignité mes frères. Amen. Ou a béni, regardez la coula ka ou a béni. Machine nous regardez, machine nous a panne par saison. Côté machine elle même chaque temps la panne, mais pour la regardez, panne ou a vini, bon Dieu lever panne, bon Dieu résoudre panne. Et pas vrai, maladie que t'a vini yo, pendant on l'a servi bon Dieu, gain de problème ou t'a pas le gagner, bon Dieu virer problème en bonheur. Ou pas là non? Gain de malheur t'a pas arriver, bon Dieu regardez, bon Dieu chasser malheur, li regarder de bonnes choses. Pendant on va travailler là pour bon Dieu, gain ba l'état privé, mais bon Dieu bon victoire pour l'éternité. Mes frères et mes sœurs, chers amis, la parole de Dieu aussi dans Exode 31 verset 18, n'est-ce pas? Le Seigneur dit lorsque l'Éternel eut achevé, nous qu'il y avait de parler à Moïse sous qui montagne? La Sinaï, qui s'albali, il lui donna les 2 tables du témoignage, table de pierre, écrite du doigt de Moïse. Du doigt de Dieu. Mes frères, bon Dieu prend le temps pour l'écrire à faire la main. Et pour dire pas bon encore. Qui est souillé? Bon Dieu écrit à faire la main. Dieu est éternel. Si Dieu est éternel, tout ça le fait aussi. Il est éternel. Ou pas qu'à changer. Ou pas qu'à changer, bon Dieu dit samedi, ou même ou dit dimanche. Bon Dieu dit sabbat, ou même ou vient avec affaire pas ou. Qui est-ce qui a béni? Bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, en nous prudents avec parole, bon Dieu. Mais ça, j'en dis, avant de nous terminer, dans 1 Jean 2, verset 3 à 6, mon cap dit, nous servis bon Dieu, nous sommes l'église du Seigneur, nous observons la parole de Dieu. Mais ça, j'en dis, si nous gardons ses commandements, t'en bien? Est-ce que nous l'avons? Si nous gardons ses commandements par là, attendez bien oui, là ça part, c'est nous là. Attendez bien oui, par là, nous savons que nous l'avons connu. De qui on parle? On parle de Dieu. Pour connaître mon Dieu, il faut conserver les commandements. Voilà. Par là, nous savons que nous l'avons connu. Et puis le bras dit, celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous l'avons connu. Si qui amène, dit amen, frères et sœurs.
Bien-aimé, c'est même l'Éternel là encore qui dit ça. Et pas vrai, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Debout du compte Jésus, tout ça Jésus t'a fait, c'est pour faire tout. Demain soir, m'a montré qui ça Jésus t'a fait. Demain soir, vini, vini en foule, m'a montré qui ça lié. Bien-aimé, mes frères et mes sœurs, si vous voulez sauver, texte la claire, obéis à la voix du Seigneur. Vous voulez heureux, vous voulez gain bonheur, vous voulez pour conscience ou propre, c'est pas qui dit ou bien habillé et puis conscience ou approché. Ça me dit à fort oui. C'est pas qui triste oui, ou bien manger la caillou, frise de foule, mais les manger à devant encore pas content. Ou réfléchi. Parce que gon bagay qui doit pour te faire ou pas faire ou font route couchu. Et même sommeil ou pas gain, ou pas ka dormir. Bagay qui triste oui, tout monde a gonflé, a dormi. Ou même jokale comme ça, nuit blanche. Parce que on a fait avec en l'air. Mon bagay pour te faire, ou faire mon faire zéro tourner neuf. Mes frères, plutôt mal habillé, mais cœur opposé, ou en paix avec l'Éternel. Plutôt mon gado sous apparence, yo gade sous l'eau qui pète, costume pas propre, ou même pas connaître dans le théâtre. Yo mettre pas l'eau mal, mais bat pour droite dans le Seigneur. Bat pour droite à bon Dieu. Élisée mourit après un an. Élisée finit de chausser. Zo Élisée dans toi. Gon moun ki mouri nan gè, yo pren moun nan ou la gèl nan tou a kote Élisée te ya, kom moun nan al touche a zo Élisée, moun nan mouri oui, moun nan resusite. Mè kose oui. Mè frère, dans Jacques 2 verset 10, dans Jacques 2 verset 10, le texte de la parole de Dieu me dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, ça passe, devient coupable de tous. Le texte nous montre l'unité indivisible de la loi de Dieu. La loi de Dieu est indivisible. Ou pas qu'à retirer une la donne. 10 moins 1 pour l'homme, by 9. Mais pour l'Éternel, 10 moins 1 by 0. C'est pour faire tout. Pas qu'il y a aucun commandement pour Israël. Bon Dieu, by 10 commandements. Au nom de Jésus, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. C'est pour observer, yo, frères et sœurs. La Bible parle de plusieurs types de lois, mes frères. Plusieurs types de lois. Loi religieuse, loi sociale, loi apodictique, c'est pas vrai, loi alimentaire et hygiénique. La loi, mais la meilleure loi que Dieu vous parle, vous donne ce soir, ou bien que bon Dieu voulait nous observer à soi, c'est la loi morale, le décalogue, les 10 commandements de l'Éternel. Combien de monde qui veut observer 10 commandements, bon Dieu, à soi, frères et sœurs? Oh, de pour faire ça, on va heureux pour l'éternité. Pas qu'à bon mentir, mes frères. Pas quitter mon abîme le dimanche, c'est le jour consacré au repos, la prière et la messe. Et souvelez demain soir, vini, m'a montré des bagailles. Et m'a voyé à lit tout pour vous qui se menti ma baille. Demain soir, tout le monde qui voulait, vini. Invitez le monde, vini. Parce que bagaille m'a dit là. Et me sûr que bon Dieu fait là. Au nom de Jésus, m'a plat. Vini en grand nombre, qui bagaille m'a montré nous. Pour montrer nous en les hommes méchants. Les hommes méchants, mes frères. Très bientôt, l'Éternel pral souquer la terre. Parce que les hommes bêtisés à bon Dieu trop. Si mon parent c'est à grand monde, la terre est maître, et maître la terre, c'est Jésus de Nazareth. Obéir à la parole de l'Éternel. Mes frères, il y a des gens qui l'ont. Où doué bon Dieu? Il y a des gens qui l'ont. Ça me dit, il y a des gens qui l'ont. Où doué bon Dieu? Bon Dieu, il y a un investissement dans où? Où tu dois mourir déjà? Mais bon Dieu, il faut là. Si vous l'avez toujours, c'est pour servir Jésus. Si ou là toujours, c'est pour sincère dans l'évangile. Trois bluffeurs en dans l'église. Trois hypocrisies en dans l'église. Trois rats en dans l'église. C'est pour un chrétien tout bon à la gloire de Dieu. Mes frères et mes sœurs, Jésus dit pour terminer, et c'est là le texte que j'aime beaucoup. Où remet Jésus? Combien mon capteur de m'la, cap gade m'la qui remet Jésus? Oui, nous remet Jésus. Chaque jour, dimanche ou samedi, regarde sur nous à l'église. Qui est le vrai jour d'adoration, le vrai jour de repos. La Bible montre. Jésus dit à Soya, si vous m'aimez, nous allons avec vous. Attendez, non, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ouvrez heureux, observe les commandements du Seigneur. Ou va heureux. Frères et sœurs, il y a un Italien de 93 ans. Qui est sorti de l'hôpital après avoir vaincu le coronavirus. Il a été hospitalisé et nous connaissons grand monde dans l'Isaïe, c'est eux même qui allaient plus vite.
à 93 ans d'âge, maladie a frappé monsieur. Et par bonheur, bon Dieu permet qu'il sorte dans l'hôpital. Et monsieur va l'apprendre que par la suite, que l'utilisation du respirateur que tu as respiré, parce que pas de cas respirer, utilisateur là ou bien respirateur là que tu as utilisé pendant tout le mois à faire l'hôpital là, yo ba monsieur yon facture, yo dit monsieur bagay ça coûte 500 euros par jour. Nous va là avec non, nous va commencer à me dire non. Tout jour faire l'hôpital là, respirateur là faut le payer et combien qu'on va payer par jour? 500 euros par jour. Et là monsieur tendait ça, monsieur commence à crier. Il a pleuré à chaudes larmes. Il a pleuré et les médecins aussi ont été émus et les médecins aussi ont pleuré. Et les médecins ont dit, monsieur, mais écoute, vous pas besoin de crier, frère, vous pas besoin de crier, vous pas besoin de payer comme là. Vous mettez des vagues, vous mettez des comme là. Monsieur dit, Mounio, que, je dis, médecin, que, monsieur, je ne pas crier pour comme là. Parce que il y a comme là pour me payer. Je peux payer l'argent. Je l'ai sur mon compte. Je peux payer. Mais la raison pour laquelle je pleure, c'est parce que depuis 93 ans d'âge, je respire l'air de Dieu sans jamais rien payer. Et ce qui est pire encore dans la chose, c'est que je n'ai jamais remercié Dieu pour cela. 93 ans d'âge, je respire l'air de Dieu sans rien payer. Et les médecins, après avoir entendu ces paroles, ils continuent à crier, puis raide, parce que la parole l'a frappé. Ils posaient monsieur médecin une question, dit médecin, savez-vous combien je dois payer à Dieu pour mes 93 années sur terre? Et si nous avons mathématiques, je dis, pour nous voir combien de cobs nous devons payer à l'éternel pour 93 ans, que le fait à respirer. Faut le payer l'éternel au moins 20 millions d'euros. Faut le payer au moins 20 millions d'euros. Mes frères, moi avant nous qui attendons des bonnes paroles là, je dis, nous devons bon Dieu un peu lui, mes frères. Gonchan qui dit combien moins doué. Nous comptons, oui, c'était la veuve. Donc combien moins doué, comment? Amour sans fin. Combien moins doué, nous comptons ça, pas vrai? Ça crise pour moi. J'en dis, moi connais comment? Moi connais. Ça lui fait pour moi. Moi pas qu'à dire combien moi doué. Il y a des gens qui l'a garanti ou ça. Sous pas servir bon Dieu, vie ou ap gaspillé. M'a pas faire rien pour vous. Il y a des gens qui l'a, m'a pas qu'à qui m'a parlé. Captain de m'la, sous pas servir bon Dieu, la vie ou ap passé mal. Il y a des gens qui ou doué bon Dieu. Gen moun la, bon Dieu investi nan ou doué l'éternel. C'est ça qui fait asseoir, nous pral prier le Seigneur. Une courte prière. M'a mandé à huissier ou passer dans les rangs. Si gon visiteur dans la salle là, je dis, qui doit observer, qui voulait observer la loi du Seigneur, ou mettre des cartes pour nous. Écris non, écris adresse ou, écris non, amis, pour servir Jésus, pour sauver pour l'éternité. Si gon visiteur dans la salle là, si gon moun dans la salle là, qui voulait servir Jésus, qui voulait remettre Jésus la vie, yo. Passez dans les rangées, passez dans toutes les rangées. Si vous avez des visiteurs dans la salle, je dis, si vous avez des visiteurs, des visiteuses, les membres d'église, priez dans votre cœur. Priez dans votre cœur. Parce que il y a des gens qui doivent, bon Dieu, faut bon Dieu sauver aujourd'hui. Zamim, Jésus voulait sauver vous. Jésus voulait boire la vie éternelle. La Bible dit, la vie éternelle, c'est qu'il te, connaisse toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Zanmim, écris non. La bon pour vous. C'est plus gros cadeau qu'a fait toujours dit. Pas jouer à la vie ou. Pas jouer à du feu, mon ami, mon frère, ma soeur. Si Mika Ben te connaît t'a mouri, j'en mouri ya. Li t'a couru converti. Ou m'a regardé vidéo à ta l'heure, à peine je finis chanter, l'a viré pour l'al pour un petit souffle. L'a viré marcher et puis boum! Li tombé. Parfois on va parler, on va chanter et puis la mort a derrière tout sans pas qu'on est. Qui est ce monde qui a battu tête là pour le dire demain soir, ma là? Qui est ce qui a fait ça? Levez mes mains. Mes frères, remettre Jésus la vie. Remettre Jésus la vie.
Zamim, remettre Jésus la vie pour sauver au nom de Jésus. Bye Jésus la vie ou. Gen zami là, bye zami yo kat, passez dans les rangées, bye zami yo kat, nous voulons prier avec yo aussi. Bye yo kat pour yo servir Jésus, pour yo sauver au nom de Jésus de Nazareth. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus a sauvé Wassoya. Jésus a prélé Wassoya. Écris nom, écris adresse, écris numéro de téléphone, très bientôt, pour capable sauver à la gloire du Seigneur. Oh, nous allons prier, une courte prière. En nous camper, mes frères, en nous camper pour nous prier, le Seigneur. Est-ce que nous avons mis au quatre pour nous aujourd'hui? Est-ce que nous avons mis au quatre? Est-ce que nous avons mis au quatre? Jésus a prélé, Jésus voulait sauver. Jésus voulait boire la vie éternelle. Pas renvoyer à demain son café aujourd'hui. Parce que plus bonheur, c'est grand matin. En nous couper tête, nous, et en nous prier, le Seigneur. Notre Père et notre Dieu. Merci de ce que encore tu nous as parlé ce soir. Tu nous as montré que l'homme peut promettre le bonheur. Tu nous as montré que l'homme peut partir à la recherche du bonheur. Mais celui qui donne vraiment ce bonheur, c'est l'Éternel des armées. Alors lorsque nous étions à tes pieds, tu nous as parlé. Et en cet instant, nous nous apprêtons à repartir, à regagner Penate. Que le Dieu qui a été avec nous à notre arrivée nous raccompagne jusque chez nous en bien à l'ombre de ses ailes. Bénis nos visiteurs. Bénis ceux-là qui ont entendu ta parole ce soir. Papa, il y a des gens qui l'a. Assoyez pendant qu'ils ont dormi. C'est pour bouleverser le sommeil. Il y a des gens qui ont dormi aujourd'hui. C'est pour parler avec eux. Pour montrer eux effectivement que Jésus est à la porte et qu'il y a un ciel à gagner. Et un enfer à éviter. Bénis tous les visiteurs. Je ne suis pas responsable de leur sang. Ils ont la volonté, ils ont le libre arbitre. Mais une chose est certaine, Seigneur, que ta volonté soit faite. Bénis pour nous la soirée. Au nom de Jésus, lui qui vit et demeure au siècle des siècles. Amen, chers frères et sœurs. Et nous voulons dire à tous les amis visiteurs, nous sommes contents de nous avec nous à hein? Et nous espérons nous prévoir nous demain soir, si Dieu le veut. Que le Seigneur continue à bénir nous, allez en paix, et ça que t'as attendu nous sur YouTube, Facebook. Que bon Dieu continue à bénir nous, et le Saint-Esprit va continuer à travailler avec nous. Allez en paix. Nous voulons demander également à tous les membres qui l'ont croisade là, et lecteurs publics, pour capabilité pour nous pour quelques minutes seulement par devant ici. Tout le monde qui l'a croisade là et que le lecteur biblique pour nous capables de rester pour nous pour quelques minutes avant sortir.